Sophia! Petite chippie! Arrêtez la voleuse de Père Noël! Elle s'enfuit! Arrêtez la voleuse de Père Noël! Hop, 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 hop! Arrête, arrête! De toute façon, il est affreux! Attention, il est magique! Il va te jeter un sort si tu continues! Selma! Sonia! Avec quoi vous jouez? Tu as cru que tu allais m'échapper, hein? Regarde ce que j'ai fabriqué! Oh, oh! Bravo, c'est très réussi! Et très ressemblant, je trouve. Tu es douée, ma petite fille. Approchez-vous, les enfants. Encore un peu plus près. Je ne pense pas vous avoir parlé de ma rencontre avec un Père Noël qui ressemblait fort à celui-là. J'étais jeune à l'époque. Je travaillais comme garçon de ferme chez les Algotson. Un jour que je coupais du bois avec une scie, la lame s'est cassée. Grand-père, arrête! Je suis grande maintenant. Je ne crois plus à ces vieilles histoires. C'est fini. Garde-les plutôt pour Sophia. Mais voyez-vous ça? Notre petite Selma ne croit plus à mes histoires. Je n'en reviens pas. Bon. Bonsoir, mes petites filles adorées. Bonsoir, papa. Bonsoir, Sarah. Papa. Oh. Mais où est le sapin? Oh, tu vas en avoir autant que moi. Attends, je vais compter. Donne-moi ton assiette, papa. 1, 2, 3, 4. Voilà. 6. Bon appétit. Et 9. Tu vois, je te l'avais dit, tu en as autant Allez, que moi. Allez, mangez. Ah, c'est délicieux. Mes chéris, s'il vous plaît. Papa et moi, nous avons quelque chose à vous dire. Quelque chose qui n'est... Quelque chose qui n'est pas... papa va vous l'annoncer. Oh, tout à fait. Voilà, figurez-vous que je suis allé... c'est ça, je suis allé au marché de Noël et je vous ai apporté du sucre d'orge. Regardez. Voilà, tenez. Non, non, pas maintenant. Mangez votre soupe d'abord. Bien. Oui. Et sinon, à part ça, je voulais aussi vous annoncer que maman avait quelque chose de très important à vous dire. Voilà. Papa est allé à la banque tout à l'heure pour emprunter de l'argent. Parce que notre loyer a augmenté et, eh bien, nous n'avons plus les moyens de vivre ici. Mais le banquier a refusé. Tout cela n'est pas bien grave. Il faut voir le bon côté des choses. On va pouvoir se trouver un joli petit nid douillet. Il y a plein de chambres très confortables en ville, où nous aurons beaucoup moins de ménage à faire. Et si l'une d'entre vous a besoin d'aller faire pipi au beau milieu de la nuit, ce sera plus facile. Vous n'aurez qu'un petit pas à faire. Pas à faire. Hein? Mais surtout, ne dites rien à grand-père Otto. Cela lui ferait de la peine. Il n'y aura pas de place pour lui dans un petit appartement et il le sait très bien. Mais où il va habiter alors? Eh bien... Il est hors de question qu'on aille vivre ailleurs. J'ai toujours vécu dans cette maison. C'est chez moi ici, chez moi! Au fait, Selma, j'ai oublié de te poser la question. Que vas-tu demander au Père Noël cette année? Je ne vais rien lui demander du tout. Je ne veux rien! Tout ce que je veux, moi, c'est habiter ici pour toujours.
Mais tu vas trop vite, attends-moi. Oh, mon chapeau. Oh, sacrebleu, mon chapeau. Un orage en cette saison. Vite, vite, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Que fais-tu ici, fillette? Rentre chez toi au plus vite, il va y avoir une grosse tempête. Allez, viens, Hubert, dépêche-toi. Mille milliards de macaronis. Ouh, quelle tempête! Il fallait que ça tombe aujourd'hui. Ah, c'est bien ma chance. Eh bien, oui, tout à fait. C'est complètement étrange. Mais quelqu'un sait-il enfin pourquoi nous sommes ici? Pour être tout à fait honnête, je ne savais même pas qu'il était encore en vie. Pardonnez-moi, mais cet homme est fou allié. Pourquoi toutes ces cachotteries? Je me demande bien ce qu'il nous réserve encore, ce vieux fou. Mesdames et messieurs, bien. Allons-y. Quel original. Alors, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Nous vivons à l'époque des grandes découvertes. Des caravelles traversent les océans. Non. Voilà. Des expéditions explorent le pôle Nord et le pôle Sud pour cartographier les dernières zones inconnues de notre planète. Mais, en vérité, il reste une zone encore vierge sur notre planisphère. Une région où nul homme n'a encore posé le pied. Une région qui, pour beaucoup, n'existerait qu'est-ce pas. Qu'est-ce qu'il raconte ? Je me demande bien où il veut en venir. En réalité, grâce à mes recherches, j'ai enfin trouvé la preuve formelle de l'existence de cet endroit inconnu. De quel endroit parle-t-il ? Et c'est pourquoi je requiers l'aide de l'Académie afin de monter une expédition dans le but de trouver cette région. Mais enfin, de quelle région parlez-vous, professeur Van Triple Chapeau ? Eh bien, mes chers confrères, il s'agit du royaume du Père Noël. Saviez-vous, mes chers confrères, que le Père Noël n'était pas seulement un vieux monsieur qui distribue des cadeaux aux enfants sages? Oh non, 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 non. Le Père Noël est bien plus que ça. C'est un merveilleux personnage dont la fonction est de créer dans ce monde un équilibre entre le bien et le mal. Si vous avez un cœur pur et honnête, un cœur généreux, alors le Père Noël exaucera tous vos vœux, quels qu'ils soient. Tous nos vœux, quels qu'ils soient. La Terre est grande, mais nous en connaissons tous les recoins, professeur. Cet homme est fou. Je suggère que nous mettions sur pied une expédition pour qu'il retrouve sa tête. Il est hors de question que l'Académie finance une telle folie. Ça suffit, je ne veux plus rien entendre de ce menteur. Vos pauvres parents doivent se retourner dans leur tombe. Oh. Vous n'êtes qu'un idiot, professeur Triple Chapeau. Vous êtes une honte pour la science. Ce qu'il ne faut pas entendre. Bande de patates mouillées. Nique-touille de trapeau gris. Moi, une honte pour la science. C'est tout de même un comble. Et puis quoi encore? C'est comme ça. Vous allez voir ce que vous allez voir.
Il y a quelqu'un? Je vous ai entendu, je ne suis pas sourd. Montrez-vous. Qui es-tu? Que veux-tu? Je me demandais... Est-ce que c'est vrai? Quoi donc? C'est vrai qu'il existe le Père Noël? Évidemment qu'il existe. Je suis un scientifique de premier ordre. J'étudie la question depuis 40 ans. Alors si je dis qu'il existe, c'est qu'il existe. Mais pourquoi cette question? Que cherches-tu? Je dois le rencontrer, c'est très important. Je voudrais qu'il exauce mon vœu.